JSC Bellevue, j'y ai passé beaucoup d'années. C'est là où j'ai vraiment commencé à jouer au foot, aux côtés de beaucoup de bons joueurs qui aujourd'hui m'ont rejoint au FC Nantes où ont trouvé leur bonheur dans d'autres clubs. C'est un très bon club formateur pour moi qui fait sortir beaucoup de joueurs. Je mets les pieds la première fois au FC Nantes en U13. Ok. Quand j'intègre le club, vu que bah, il en reste pas beaucoup des joueurs de la région encore au club, que pour moi c'est une grande fierté. La différence c'est qu'un jeune joueur de formation, il va faire des sacrifices parce qu'il a un objectif. Du coup, il va éviter de sortir, de mal manger pour garder sa concentration dans son projet. Tout peut aller vite. Pour moi, c'est mon objectif numéro un. Et je travaille beaucoup pour y arriver. Moi, à chaque fois que je vois ça, bah, ça me fait rêver. Je me dis que je dois travailler pour y arriver. Et ouais, ça me fait rêver. Et je pense que tous les joueurs du club, tous les joueurs du centre aussi, ça les fait rêver. La journée type d'un joueur de centre de formation, c'est de bah, commencer les cours à 8 heures. Jusqu'à 10 h. Avoir entraînement à 10 h 30 jusqu'à à peu près midi. De manger vers 12h30. Après, de se reposer pour reprendre les cours à 13h30. De finir les cours à 16h. Et d'avoir une séance de renforcement ou étirement à 16h30. Et du coup, 17h, fin de journée. Mon poste de base, c'est un milieu terrain défensif. Bah, ici, j'ai plutôt amené à jouer derrière, en défenseur central et en latéral droit. Bah, mon style de jeu, c'est plutôt un style défensif. Moi, mon joueur préféré, c'est Karim Benzema. Un joueur de qui je m'inspire, bah, c'est Ismaël Benacer. On joue au même poste et je pense que mon style de jeu lui ressemble. Ouais, j'ai déjà eu la chance de fouler cette pelouse en U13. Bah, il y a une magnifique ambiance, je pense que l'une des meilleures de France, un très beau stade. Et ouais, ça fait rêver quand on y va. Je viens de Chlef, du côté de mon père du coup, et du côté de ma mère, d'un petit village Sidi Ali à côté de Mostaganem. C'est mon père qui me l'a annoncé. D'accord. Mon père a su gérer ma première sélection. Pour moi, c'était un rêve. Pour moi, c'était que des images. J'avais beaucoup de pression, je savais pas le niveau, mes attentes, je savais vraiment pas comment ça allait se passer. J'avais un peu peur pour ça, mais au final ça s'est très bien passé. Je pense qu'on a une super catégorie. On avance beaucoup ensemble. Ça fait maintenant longtemps qu'on a le même groupe. Et on avance beaucoup ensemble et on a beaucoup d'objectifs ensemble. Je peux vous dire Yanis Delaveau, un très bon joueur qui joue à Nancy. Elias Boarlem, okay. Un joueur de Guingamp qui a fait la Coupe à Rabat avec moi. Okay. Sami Merzouk, un gardien Lille, de Lille. Ouais. Ce
qu'on peut la rapporter, je pense, c'est la notion de poser le jeu. Parce qu'en Algérie, on est plutôt sur un jeu direct et jouer sur le deuxième ballon. Et du coup, nous, ce qu'on peut leur apporter, je pense, c'est de poser le jeu et de faire tourner pour faire courir l'adversaire. Premier match, nous, on a joué la Palestine, on a gagné 5-0. Le deuxième match, on a joué le Soudan, on a gagné 2-0, ce qui nous a qualifiés directement en quart de finale. Du coup, le troisième match, on a gagné 3-0 contre les Émirats Arabes Unis. Le quart de finale, on a joué contre la Tunisie. On a fait 1-1, on est allé au pénalty. On a gagné au pénalty. La demi-finale, on a fait 0-0 contre l'Arabie Saoudite. On a gagné au pénalty aussi. Et la finale, 1-1 contre le Maroc, on a gagné au pénalty aussi. Ah, ce but, c'est un but où je rentre à 10 minutes de la fin, à la 80e minute, dans un match très difficile contre le Maroc, un excellent Maroc. Et à la 89e minute, un centre repoussé du défenseur marocain qui revient sur moi, je tacle et je tire et en pleine lucarne, ça rentre. Ouais, l'ambiance du stade, c'était un stade qui poussait pour qu'on marque. Il y avait 30 000 personnes, je pense. Et au moment où j'ai marqué, j'avais jamais vu ça encore de ma vie. Une telle ambiance. Du coup, moi, depuis la fin de la Coupe arabe, je me prépare beaucoup aux entraînements et en dehors des entraînements. Parce que je sais que le niveau sera très élevé. Les équipes viendront pour gagner. Et on a un petit plus, c'est qu'elle se passe chez nous, du coup. On aura nos supporters. On part un peu comme favori, vu notre victoire en Coupe arabe, mais quand même, on va continuer à travailler jusqu'à cette CAN. Je pense qu'on a nos chances quand même, parce qu'on travaille beaucoup, on travaille beaucoup la tactique, nos styles de jeu, on a les joueurs pour, et je pense que si tout le monde se donne à fond, je pense qu'on peut faire quelque chose dans cette CAN. Les quatre demi-finalistes de cette CAN iront disputer la Coupe du Monde. Ouais. C'est une vraie envie d'y participer quand même. C'est une Coupe du Monde. C'est un rêve pour nous. Maintenant, c'est un rêve. Dès mon premier stage, j'ai eu une très bonne relation avec lui. Et il a beaucoup confiance en moi. Et j'ai ce que j'ai pu lui montrer lors de la Coupe arabe. Comme c'est le directeur de l'académie de la FAF, son équipe elle est beaucoup composée de joueurs de la FAF. Comme Amem Faiz, Ziad Nemer, Rami Borwesh. Et aussi beaucoup de. Un peu moins, mais des joueurs de l'Académie du Paradou, comme Youssef Belkaïd, Shafai Gelgour. Et j'ai eu la chance d'être capitaine lors du dernier match contre la Libye. Le coach m'a donné le brassard suite à tout ce que j'ai accompli avec cette équipe. Et j'ai eu cette confiance d'être capitaine d'une sélection. Et d'une sélection comme l'Algérie, pour moi, c'est une grande fierté. Je trouve que la formation algérienne, elle est bien. C'est une formation plus basée sur la tactique de ce qu'ils m'ont dit. Ils font beaucoup de tactique et de technique, ce qui est le contraire de nous, qui faisons beaucoup de jeux du coup. D'intégrer la A déjà. Un jour, jouer à la Coupe du Monde avec mon pays, l'Algérie. C'est vrai que ouais, j'y pense beaucoup. Je me dis que tout est possible. Et ouais, ce sera un grand objectif pour moi. Être en sélection d'Algérie, pour moi, c'est une fierté. Je pense que c'est une fierté pour tous de représenter les couleurs de ce pays et de tout donner pour ce pays.